And I'm not going to use anything but the sound, just for myself, because it's easier, otherwise I have to note down, and I don't want to do that, so. Okay? Okay. So, Asma, that's your name? Si, Esma. Yeah, Esma, Esma. Okay. Can you tell me something about yourself and your work here? And about myself or my work? Well, you can maybe start with yourself. Are you from Fuerteventura? Or? No, I'm from Morocco. Oh, yeah. My father is Moroccan and my mother is French. Okay. But I always live in Morocco. Mais tu parles pas français? Si, si, je parle français. Tu parles mieux français que l'anglais? Je parle beaucoup mieux. Ma langue maternelle, c'est le français. Ah, en parlant français alors. Ah, tu parles bien français. Non, je parle carrément mieux en français. En anglais, moi, c'est plus ou moins. Je trafique moi en anglais, c'est pas vrai. Ah oui, quelle confusion. Parce que moi, je croyais que l'anglais, c'était... Pour moi, le français, c'est ma deuxième langue. Alors, c'est marrant. Ouais. Non, et l'anglais, c'est... Enfin, ça compète un peu avec le français, mais bon. Non, mais en français, c'est bien. Bien, ouais. Ah oui. Donc voilà, donc j'ai grandi au Maroc. Ouais. J'ai fait mes études supérieures en France de psychologie. Ah, et donc après, je suis venue ici. Ah, mais tu es française alors? Je suis française, ouais. Tu as le père français? Oui. J'ai les deux nationalités, j'ai la double nationalité. Et tu es de dans quelle ville tu as vécu en France? En France, à Toulouse. À Toulouse? Pendant 7 ans à Toulouse, ouais. J'ai été beaucoup de fois à Toulouse. Ah ouais. J'avais des amis là-bas, qui sont plus là maintenant, qui sont partout ailleurs. Mais c'est marrant ça. On s'est pas vu, mais ça fait... Ouais. Bah, j'ai vécu 7 ans là-bas à Toulouse. Ouais. Pendant le temps que je fais mes études, on peut travailler quoi. Et après, je suis venue ici. Voilà. Donc, l'Espagne, c'est venu comme ça? C'est mon petit copain est espagnol depuis un bon moment. C'est avec lui que j'ai appris l'espagnol et c'est avec lui qu'on est venu ici. Il n'est pas d'ici, mais on a décidé les deux de venir ici. Ouais, okay. Nouveau pour vous deux. C'est nouveau, pour les deux. Voilà. Des fois, c'est bien. Quoi. Non, c'est bien, ouais, c'est mieux. Ça, on est ni chez l'un ni chez l'autre. Ouais. Et finalement, bah, j'ai eu ce travail, je l'ai un peu cherché aussi en fait. Et voilà, donc là ça fait à peu près un an, depuis février 2007, donc ça fait un an presque et demi que je travaille ici. Ouais. Voilà. Okay. En tant que psychologue. Dans le projet Attention psychologique à immigrés et réfugiés politiques et demandeurs d'asile. Voilà, donc je reçois principalement des personnes étrangères, on va dire. Voilà. Donc tu travailles ici et tu aides les gens qui habitent ici, mais aussi d'autres gens dans la région, ou c'est tout le monde qui peut venir ici avoir ton aide, ou... Voilà, ouais. Ouais. Moi aussi, si j'ai des problèmes. Toutes les personnes qui viennent à la Croix-Rouge, on va dire. De la rue, comme ça? Oui. Ouais. Normalement, dans mon projet, normalement, je devrais faire qu'avec les étrangers, ce qu'ils appellent immigrés, c'est-à-dire pas communautaires, pas d'Européens. Mais après, non, je reçois des Espagnols aussi, parce que si c'est une petite île, il n'y a pas vraiment de recours. Il n'y a pas de recours, je crois que ça se dit pas en français, c'est cool ça. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas vraiment de... voilà, pour une personne qui a un problème, je ne sais pas, un problème de dépression par exemple, en général, les rendez-vous, c'est 3 mois, 4 mois après, 5 mois après, pour une personne qui a les papiers, la carte et tout. Donc en général, ici, on peut le recevoir. Ok. Donc voilà. Tu dis mon projet, comme si c'était un projet qui est extérieur à la Croix-Rouge, mais c'est pas... Non, c'est le projet que, disons que moi, en tant que psychologue, sur quoi tu travailles. Mais c'est un projet qui reste là, toujours, il y a toujours besoin de toi, de psychologue dans le cadre de la Croix-Rouge. Oui, c'est le projet qui est à la Fuerteventura. Après, à Las Palmas, il y a 3 psychologues, donc chacun a son projet. Et toi, tu es seul ici? Ici, je suis seul. Avant moi, il n'y en avait pas. Donc vraiment, il y a besoin ici. Et vraiment, il y a besoin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Tu travailles dans le centre ici, mais tu ne vas pas ailleurs pour aider les gens ailleurs. Non, c'est les gens qui viennent ici. Les gens viennent ici. Ouais, parce qu'on m'a dit qu'à Matoral, où il y a le CIE, et là-bas, tu n'as pas le droit de venir pour donner de l'aide En tant que psychologue, je n'ai pas le droit. Non. Non, j'ai déjà fait des demandes et on m'a refusé. Donc, en tant que psychologue, je n'ai pas le droit de rentrer là-bas. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ben,
Déjà, le fait que j'ai fait des demandes, c'est que j'aurais bien aimé. Je pense que c'est nécessaire. De toutes les façons, là-bas, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu vraiment des gros traumas, quoi. Oui, oui. Des choses traumatisantes, des pertes d'enfants, etc. Et de copains. Voilà. Ouais. Et je pense que vraiment, ça serait très utile, même si ils sont expulsés après. Mais je veux dire, c'est des personnes. Et je pense que c'est un droit qu'ils devraient avoir, quoi. Est-ce que c'est un des droits humains ou... Le premier droit, c'est l'attention juridique. Ouais. Qui est pareil, plus ou moins respecté. Hein. Le fait de connaître ses droits. Ses droits. Voilà. Qui est plus ou moins respecté parce qu'on leur donne des papiers en français et en anglais. La majorité ni ne comprennent français ni ne comprennent anglais. Ouais. Donc, bon, l'affaire est claire. Après, normalement, il devrait avoir attention médicale. Médicale, il y est. Psychologique, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire ni signé dans un autre endroit, je pense. Mais moi, je pense qu'au niveau des droits humains, ça devrait être obligatoire. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de raison pour te réfuser. Si tu veux le faire, et tu peux le faire. Mais il paraît que c'est difficile pour les ONG d'entrer dans le monde. Très difficile, ouais. Surtout ici. Il y a d'autres centres d'internement qui sont peut-être plus coopératifs, quoi. La psychologue peut rentrer. Est-ce que c'est à cause de leur condition, ils ont peur que les médias fassent trop d'attention aux conditions des gens là-bas ou... Je pense qu'il doit y avoir aussi quelque chose comme ça, parce que de toute façon les médias n'ont pas le droit de rentrer. C'est pour cacher ce qui se passe ou... Ouais, est-ce qu'il y a ces restrictions? Je ne sais pas pour quelles raisons exactement. D'une part, être pour cacher, ça c'est sûr, parce que sinon les médias pourraient rentrer sans problème, ils ne rentrent pas. Et d'autre part, je pense aussi parce que peut-être qu'ils estiment que ce n'est pas utile. Et les deux vont avec... L'un va avec l'autre en général, parce qu'il y a un certain... Enfin, le trait, la façon dont on se comporte avec les personnes qui sont dans le centre, fait qu'on pense qu'ils n'ont pas besoin ni de psychologue ni de tout ça, quoi. C'est un peu pour superficiel, peut-être, je sais pas, j'imagine, moi j'ai pas vraiment de... En tout cas, c'est pas possible pour moi de rentrer. Ce qui se passe, c'est quand il y a des personnes qui sont vraiment dans un état physique grave, en général ils les envoient à l'hôpital, et donc l'hôpital m'appelle et là je peux aller à l'hôpital. En général, je suis là-bas jusqu'à qu'ils soient envoyés au centre d'internement. Donc les seules personnes vraiment que je peux atteindre, c'est celles qui vont à l'hôpital. Et donc tu travailles 37 heures par semaine ou plein temps? Plein temps, oui. Et un peu plus peut-être? Non, plein temps en général, oui. Plein temps. Voilà. À peu près c'est ça. Ok, bon. Parle-moi un peu de ton travail ici, si tu veux, avec les immigrés. Parce que tu sais, au Danemark, on a les demandeurs d'asile. Sont là pendant des années et des années, donc il y a vraiment beaucoup de travail pour tes collègues au Danemark, il faut dire. Mais là, c'est des problèmes très graves parce que les gens deviennent dépressifs après des années de refus ou de ne pas connaître leur situation, leur futur. Alors qu'ici, c'est les gens qui sont là que pour 6 mois, n'est-ce pas? Dans pour le centre. 6 mois. Ici, au centre, c'est vrai. Au centre, oui. Après, il y en a quelques-uns après le centre, bon, 6 mois un peu plus, après, ils se débrouillent pour louer un appartement, entre eux, des choses comme ça, quoi. Donc, peut-être que la situation, enfin, l'attente de l'asile, l'attente d'une réponse, etc., se voit moins parce que, bon, après, ils partent, mais je pense qu'elle est aussi très présente ici, chez tous les demandeurs d'asile, parce que je crois que c'est un truc international, je pense que cette attente, ou ça peut durer 1 an, 2 ans, on ne sait pas si on va avoir les papiers, on ne sait pas si on est installé ou pas. Je l'avais vu aussi en France, parce que j'avais travaillé aussi avec une association qui travaillait avec les réfugiés, je crois que c'est un peu commun à tout le monde, je crois que c'est commun un peu partout. Après, il y a le cas particulier de Fuerteventura, qui est une île souvent de passage parce qu'il n'y a pas de travail, donc là c'est particulier. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe pendant ton travail? Et donc mon travail, je reçois autant les personnes qui viennent de la maison d'accueil, donc des deux maisons d'accueil qu'on a à la Croix-Rouge, que les personnes qui viennent de dehors. D'accord? Mon travail, ça consiste en gros, soutien psychologique, c'est-à-dire... Pour les voir une fois, deux fois, d'accord, de façon ponctuelle. Avec, par exemple, vu que tu me dis que ce qui t'intéresse, c'est tout ce qui est réfugié, enfin tout ce qui est le cas des réfugiés politiques, avec toutes les personnes, surtout ceux qui viennent d'Afrique, d'accord,
qui sont venus en Pera ou en Cayuco, en général, la première rendez-vous que je fais avec eux, c'est de faire récapituler un peu son trajet. D'accord, revivre. Donc, il m'explique un peu son trajet à l'aide de cartes, etc. Ah, déjà, qui se situe, et à l'aide de cartes, voir un peu. Donc, il y a des personnes qui vont passer, qui ont passé un mois ou deux sur le trajet, en attente de la patella et après le Cayuco, la patella, et d'autres où ils ont passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 9 ans. Donc, c'est important de faire une sorte de ré. Comment dire, restage. Ouais. Non, de toute façon, au niveau psychologique, c'est très très important. De revivre, de reparler, de verbaliser, quoi, de redire ce qui s'est passé. Parce que souvent, en général, c'est toujours ça, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes sont assez perdues dans tout ce trajet-là, qui peut être vraiment très bon, hein, quelquefois. Beaucoup de pays différents, beaucoup de rejets, beaucoup de mauvais traitements, de violences, d'humiliation. Aussi, tout ça, c'est important, je pense, de le Ils doivent payer de l'argent, des fois à des trafiqueurs. Oui, oui. Et des fois, ils savent pas. Enfin, quand ils partent de leur pays propre, ils savent pas combien d'argent ils vont payer. Mais à la fin, ils se rendent compte que ce qu'ils ont payé, c'est énorme. Exactement. Comparé à leur situation de, enfin, et leur famille, leur paye. Et des fois, il y en a qui sont coincés parce qu'ils n'ont pas le fric pour payer un trafiqueur pour aller en Espagne ou. Quoi que ce soit, alors la famille n'a plus d'argent, ils sont coincés dans des endroits au Maroc. Exactement. Pendant des années. Beaucoup passent, je sais pas, 3 ans au Maroc, 4 ans au Maroc. Il y a beaucoup de cas de personnes qui sont maintenant à la maison, qui ont passé 4 ans au Maroc. Ah oui. Et dans des conditions difficiles, normalement, ils vivent en mendiant, enfin, c'est humiliant comme situation. Et souvent, c'est des gens qui avaient un travail, enfin, c'est pas des. C'est des gens de comment dire de c'est pas les pauvres les plus c'est pas démunis, la plus basse classe sociale, non. C'est souvent des gens d'éducation, de en général, pour la majorité qui viennent ici, oui. Qui ont les et moyens pour payer, mais aussi les moyens comment dire, comme en tant que personne, la force pour le faire. Surtout les moyens pour payer, je pense. Ça, c'est clair que pour prendre une patella ou un Cayuco, il faut avoir un peu d'argent. C'est pas tout le monde qui peut se le payer. Hein. Donc ça, déjà, ça élimine pas mal de personnes. Après, voilà, donc je travaille beaucoup au début avec les cartes, un peu pour aider, un peu pour que la personne se situe ce qu'elle a fait. Je crois que ça, ce travail, il est très important, apparemment. Après, il y a des personnes, c'est difficile, il faut un peu de confiance, etc., pour que ça puisse arriver à vraiment que la personne te raconte un peu tout ça. Dans les cas de personnes qui ont fui la vie, donc vraiment dans les cas de demandeurs d'asile réels, on va dire, aussi le fait de verbaliser un peu, de parler de ce qui s'est passé, des traumas, des violences qu'il a vécu, c'est très important. Dans la mesure de ce que peut faire la personne, hein, peut-être au début elle ne va pas pouvoir du tout en parler, il y a des personnes qui ne peuvent pas en parler, d'autres qui arrivent à en parler beaucoup plus facilement, ça, il faut le respecter, je pense, et voir petit à petit, le travailler petit à petit, ça se voit avec le temps. Hein. Donc voilà, je fais aussi du travail, donc ça c'est au niveau individuel. Après, beaucoup par rapport à. Voilà, travailler beaucoup par rapport au, on va dire, passé et futur. Donc la vie avant dans son pays et un peu le trajet qui a fait qu'on est arrivé jusqu'en Espagne. Et qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les décisions, quelles sont surtout les questions, les peurs, les. Non, tout ça. Donc un peu c'est ce que je travaille. Sinon, je fais du travail en groupe aussi. Avec les personnes qui sont venues ici légalement. Ou de la même façon, là c'est plutôt des informations. Non, un peu, alors vous êtes arrivés jusqu'ici, on se situe, etc. Faire parler un peu chacun et les impressions. Comment ils ont passé le trajet. Tu parles arabe, tu parles français, tu parles espagnol et tu parles anglais. Donc je peux atteindre pas mal de ça. C'est, ça m'aide beaucoup parce que je peux parler presque avec tout le monde. Il y en a qui. Ouais. Il y en a qui parlent que leur langue maternelle. Entre eux, il doit y avoir des gens qui peuvent leur aider. Qui peuvent traduire, etc. C'est impressionnant comme nombre de langues que tu parles. Ça m'aide, hein. Ça m'aide. Parce que je peux parler à peu près à tout le monde. Et tout le monde ça m'aide beaucoup. Ouais. Donc tu fais des trucs en groupe. En groupe, dans les différentes langues. Et c'est un peu donner des informations
que ce soit sur les lois, sur la culture. Mais ça ne pas avoir directement à la psychologie, c'est plutôt... Si, ce serait un peu des thérapies de groupe. Ok, ouais, d'accord. Ouais, parce que les personnes parlent et racontent un peu leurs histoires. Avec prétexte de parler des autres choses ou... Au début, ils viennent, ils ne savent pas trop pourquoi, mais je pense que ça intéresse en général. On le fait différentes fois. On parle un peu du genre, le ressenti, quoi. Le ressenti d'être, par exemple, je ne sais pas, dans le cas d'un Ivoirien, d'être Ivoirien ici en Espagne, du trajet qu'ils ont fait, du trajet en Patella, ça j'en parle beaucoup, même au niveau individuel, parce que c'est souvent très choquant pour tout le monde, quoi, même s'ils n'en parlent pas, mais c'est quelque chose, un passage très très dur. Et ainsi, comment ils se sentent ici, comment ils se sont sentis au centre d'internement, vraiment, est-ce que c'est normal pour eux, est-ce que c'est pas normal. Voir par rapport à la... Je sais pas, au ressenti, quoi. De tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et un peu les décisions qu'ils vont avoir sur le sujet. Ça aide à le faire en groupe pour les gens, et qu'est-ce que ça importe quand tu as groupe contre individu? Qu'est-ce qu'il y a de différence des deux manières? C'est un autre point de vue, quoi. Je peux pas dire qu'un est meilleur qu'un autre parce que ça dépend de la personne. Ouais. C'est un autre point de vue. Ouais. Au niveau des groupes, peut-être que tu peux accéder à certains plus qu'au niveau individuel, ou accéder à certains sujets plus au niveau individuel. Et aussi parce que les se gens lâchent plus, parce qu'ils sont ensemble, ils sont entre ils partagent un peu les mêmes expériences, et pour ça ils peuvent corriger l'un l'autre, ou supplier, on dit ça, non? Non, supplier, non. Supplémenter. Ne me demande pas, parce que moi, au niveau des langues, je perds beaucoup les mots. Mais rajouter quelque chose. Non, carrément. Et au niveau groupal aussi, ça permet peut-être qu'ils en parlent entre eux. Parce qu'une chose très particulière, c'est qu'ils ne parlent pas du tout entre eux de ce qu'ils ont vécu. Non. Ah, pas du tout, quoi. Même pas de pourquoi ils sont partis de leur pays, etc. Du même pays, je veux dire. De personnes qui sont du même pays, en général, ils ne savent pas du tout pourquoi lui il est parti, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il a vécu, par où il est passé, tout ça en général, on ne parle pas. Ils parlent du maintenant. Voilà, des problèmes d'ici, mais ils essayent d'éviter ce qui s'est passé en arrière. Et je crois que c'est utile de pouvoir le faire en groupe avec des personnes de la même culture que soi. Je crois que ça, c'est pas mal. Pour qu'ils s'ouvrent un peu entre eux. Moi aussi, Mais moi, j'étais à. Parce que je voulais faire les entretiens avec les gens, et j'étais dans une chambre avec les autres. Je crois que là, ils sont d'accord pour parler de la politique. Ça leur intéresse beaucoup, parler de la situation de l'Afrique vis-à-vis de France et tout ça, et la situation entre Maroc et Sahara occidental. Et tout c'est où il y a une histoire politique, parce que là, c'est moins personnel, et là, c'est pas simple pour eux. Mais c'est intéressant aussi de parler au niveau politique, après ça dépend comment on l'oriente, non? Mais par exemple dans les groupes que je fais, je commence de plus en plus à parler d'un peu de la relation entre Afrique Europe, ou entre pays à pays sinon, et je crois que c'est important. Moi dans mes études de psychologie, je fais une spécialité qui s'appelle psychologie interculturelle. Et donc qui est axé plutôt sur différences culturelles, etc. Et l'identité est très importante, la façon dont on se place comme venant du Danemark, venant du Maroc, etc. Et avec, par exemple, surtout l'Afrique, le problème identitaire est très important, je pense. Très important. Parce qu'il y a une relation, il y a une histoire commune entre l'Europe et l'Afrique, et après on peut dire la Côte d'Ivoire, la France, enfin chaque pays, mais en général l'Europe et l'Afrique qui a un poids, et qui a un poids sur l'identité de chacun, et ça on le voit pour nous, Européens, on va dire, comment on perçoit les Africains. Même si on est très ouvert, même si on n'est pas raciste, il y a toujours, on le perçoit par rapport à une histoire, et c'est la même chose de l'autre côté. Eux, comment ils perçoivent les Espagnols, et ça m'intéresse beaucoup, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et pour moi c'est important, je crois. C'est aussi important que de parler de l'histoire individuelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que quand tu parles là, c'est toutes ces choses là, ce sont pas des choses normalement on situerait dans le domaine de la psychologie, plutôt le domaine politique, pour toi ça importe. Pourquoi? Pour moi c'est très important, c'est important. Parce que la culture c'est ce qui te forge l'identité, quoi. L'identité c'est ta personne, c'est comment tu te sens.
et le mal-être que beaucoup d'étrangers ont ici en tant qu'immigrants vient beaucoup de ce problème identitaire. Je veux dire, s'il y a un problème identitaire énorme, je pense que ça c'est vraiment ce qui bloque beaucoup dans les relations entre l'Afrique. L'Afrique et d'autres pays du tiers-monde, donc ils l'appellent comment ils veulent, mais dans des pays du Sud, il y a un problème identitaire par rapport à l'Occident, à l'Europe. Et quelle est la solution de ce problème? Je pense en parler, déjà se rendre compte. Se rendre compte que notre regard, il n'est pas neutre. Autant le regard d'un Africain, enfin d'un Ivoirien mais le fait ou d'un Espagnol. De savoir, est-ce que ça éradique le problème ou C'est une éducation. Mais est-ce que c'est bien de cultiver l'animosité entre qui ressentent s'ils viennent ici avec une animosité envers l'Europe, etc. Est-ce que c'est là je suis c'est pas mon opinion je demande l'avocat du diable. Alors, est-ce que c'est bien, parce que moi je fais la même chose, je travaille de la même manière, plus ou moins, et quand je parle avec les gens, je suis rapidement d'accord du fait que là, il y a une injustice dans la manière, de la relation entre l'Europe et l'Afrique, il y a une injustice qui est là. Je suis tout de suite d'accord. Mais je me demande, et je te demande, est-ce que c'est bien de cultiver cette animosité et se mettre d'accord, etc. Ou est-ce que ça serait mieux d'essayer de niveler un peu, ou de dire, oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire entre l'Europe et l'Afrique, mais maintenant, c'est différent, et l'Afrique doit aussi prendre de la responsabilité, etc. Disons que la responsabilité, pour moi, je la pense pas que d'un côté. Je pense pas qu'on a tout d'accord, même si l'injustice, pour moi, clairement, mais après, je pense que dans les actes, clairement, elle est au niveau de... Elle est que d'un côté, en fait. Mais la responsabilité, je pense qu'elle est des deux côtés, parce que le regard, il est partagé autant par un Africain que par un Européen. Ce regard pas neutre. Tu vois ce que je veux dire, d'accord? C'est pas pour rien qu'ils viennent tous ici avec une idée de l'Europe, de l'Eldorado, ils le cultivent, ils ont leur part de responsabilité autant que nous. Mais c'est vraiment prendre conscience de ce regard. C'est comme une personne, il lui est passé beaucoup de choses dans son enfance, par exemple. Si elle essaye de faire table rase, de faire comme si on oublie tout, en général, elle peut pas continuer. En général, ça devient un problème psychologique assez grave, d'accord? Même très grave, psychotique, etc. Ceux qui vraiment ne veulent pas y penser, ils deviennent fous, ce qu'on appelle fous, non? Et bien, au niveau de société, je pense que c'est pareil, quoi. On a un passé, on a un passé commun, qui n'est pas neutre du tout, qui était très très fort. On continue à l'avoir aujourd'hui aussi fort. Je pense qu'il faut s'en rendre compte. Rien que déjà rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi autant d'un côté que dans l'autre, personne ne sait ou fait comme si on ne savait pas ce qui est en train de se passer. Justement, cette injustice dont on parle, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, au niveau tout. Pourquoi on ne le reconnaît pas? For Europe. Ouais. C'est pas avoir un coupable, c'est reconnaître ce qu'il y a pour pouvoir avancer ensemble, tous les deux. Tu vois, c'est pas un contre l'autre, justement. Si on est un contre l'autre, on ne va jamais y arriver. C'est ce qu'on en a fait jusqu'à maintenant, tu vois. Mais se reconnaître dans les deux sens, que notre regard, il n'est pas neutre. Notre regard, derrière un regard, on a tous les colonisateurs qui viennent derrière nous, tu vois. Donc il ne faut pas s'étonner pourquoi on voit l'Africain quand il mange avec les mains, on le voit un peu moins civilisé que nous. Il faut s'étonner. Pourquoi? Parce qu'on a toute une histoire derrière. Et bien, au niveau de l'Africain, pourquoi il s'est bouillé devant un supermarché? Parce qu'il y a toute une histoire derrière. C'est pas neutre. C'est pas parce que c'est comme ça. C'est pas parce qu'il est moins civilisé ou que nous, on est plus civilisé. Non, c'est parce qu'il y a une histoire. Donc on se met... On parle de ces choses-là, on est conscient du fait qu'il y a ce regard conditionnant des deux parts, et après. Voilà. Et après. Et bien, je pense, l'éducation, c'est ce qui s'appelle l'éducation, c'est ça qui fait que la personne voit les choses d'une autre façon. Peut-être que ça éviterait tout ce qui est la discrimination, tout ce qui est la difficulté d'intégration, par exemple.
Oui, mais, et que mais ça, toi, ça marche pour les immigrés, toi, pour les demandeurs d'asile. Tu parles avec les immigrés, mais le reste, l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Moi, à mon niveau, c'est rien, quoi. Moi, je fais deux petits trois trucs, mais je veux dire, en général, il faut j'en ai 200, ça c'est ouais, clair. Ouais. Moi, au niveau de Lille, cette année, j'ai fait pas mal d'interventions dans les écoles, ouais, pour les enfants. Ah oui, d'accord. Les enfants espagnols. Espagnols, la majorité. Ouais. Après, dans les classes, il y a un peu de tout, mais en général, la majorité sont espagnols, d'ici donc, de Lille, l'information. Sensibiliser sur la différence culturelle, un peu pourquoi on pense comme ça, pourquoi on pense que lui il est moins, il est moins civilisé ou il est moins moderne ou il est moins. Pourquoi on le pense. Et après, si tu. Avec les enfants, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Parce que tu leur poses quelques questions et après ils se rendent compte tout seuls que ça ne veut rien dire, que ça n'a pas de sens, tu vois. Pour l'exemple, par exemple, de manger avec les mapeux, finalement pourquoi. Pas de problème, c'est pas plus propre, c'est pas moins propre, c'est pas. Tu vois. Finalement, ils se rendent compte. Et je pense que c'est des petites choses. Ouais. Mais c'est ça qui fait qu'on pense comme ça, quoi. Après, finalement, adulte, on devient complètement fermé ou ouvert aux autres, tu vois. Ça se fonde dans l'enfance. Mmh. C'est marrant parce que moi, j'ai rencontré des jeunes gens dans la place de l'église. C'est vrai que c'est là que va tout le monde, le soir. Et j'ai parlé un peu avec eux et j'ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de l'immigration et tout ça. Ils m'ont dit que oui, les Africains, ce sont des gens bien, enfin les Noirs. Alors que les Marocains, c'est des méchants. C'est des méchants. C'est bon. Ils posent des problèmes, ils font des bagarres et tout ça. Donc c'est des généralités, quoi. C'est des préjugés. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ici, enfin, partout, hein, partout. Mais ici, vu que c'est une île un peu fermée et que ça fait pas longtemps qu'elle s'est ouverte, tu vois, il y a vraiment les gens ont beaucoup de préjugés. Ici, les gens disent avant, beaucoup c'était de préjugés. Il y a une peur contre les étrangers, quoi. Ouais, ouais. Énorme. Mais là, c'est moi, j'ai lu dans la Canarias 7 que maintenant il y a moins. Enfin, le premier problème pour les Canariens, c'est l'économie. Et après, c'est une autre chose. Et le troisième problème, c'est l'immigration. Maintenant, c'est moins. Mais... De toute façon, ça ne devrait pas être un problème, quoi. Mais ça, voilà, c'est une éducation et l'éducation, ça passe partout. Je veux dire, c'est important, je pense, que des ONG comme la Croix-Rouge sensibilisent, c'est-à-dire pas agir que dans l'urgence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, quand tu arrives, soutien psychologique, ça c'est de l'urgence. La personne a déjà un problème, d'accord? Mais agir aussi aux enfants, autant ici que là-bas. Et dans l'éducation, la sensibilisation, l'information, pour que les gens ils s'ouvrent, il n'y a pas autant de préjugés, non? Ça c'est important. Mais après, ces préjugés, ils sont diffusés partout, quoi. Les médias, c'est les premiers à le diffuser. L'immigration, c'est la peur noire. Pourquoi? Parce qu'on te le dit tous les jours à la télé que c'est la peur noire. L'immigration ne devrait pas être un problème, normalement. Le problème, c'est autre chose, mais c'est pas l'immigration en tant que soi, tu vois. Le problème, c'est les conditions, c'est tout ça, mais... Bien. Et donc, je pense que tout ce qui est sensibilisation, c'est très important. Tous ces niveaux-là. C'est bien, préparation. C'est bien qu'on puisse parler français. Moi, j'ai essayé de parler espagnol les derniers jours et ça me rend la fatigue, je suis... Mais tu parles quand même. J'ai entendu que tu parles, non? Ah ouais, mais j'essaie. J'ai fait un entretien avec Sarah, la professeure d'espagnol, elle a parlé très rapidement en espagnol. Ouais, heureusement que j'ai ça, parce que après je vais faire au ralenti. Ouais, ouais. Et faire le bêtise. Ouais. Ouais, après la tête elle fonctionne. Tu as des choses à ajouter? Je sais pas si tu as des questions particulières sur un truc particulier. Ouais, j'ai des questions sur le centre, des choses comme ça, mais. Je ne sais pas si c'est à toi que je dois le poser. Non, je sens que ce serait plutôt d'autres personnes, parce que c'est des questions de fait. Combien de gens, combien d'édites, tout ça et ça. Pour tout ça, c'est Khara. Khara. En général, Khara, et après les autres éducateurs qui sont aussi, qui sont en plein dedans. Ouais. Et... Sinon, je ne sais pas, au niveau des demandeurs d'asile et réfugiés politiques, quoi dire de plus par rapport aux... Mais quels sont leurs problèmes? C'est des dépressions, c'est des... Enfin, quelle sorte de problèmes psychologiques est-ce qu'ils ont? Est-ce que c'est le choc? Ou est-ce que c'est le trauma, les PTSD, quels sont qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que chez nous, c'est le PTSD qui est répondu. On dit ça en français, ça? Non. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder Syndrome. Et pendant vécu la guerre, la torture, etc. Donc on a ça, et on a aussi je crois qu'on appelle ça la
Enfin, c'est plus presque au deuxième degré la même chose parce que les gens viennent au Danemark et vivent là pendant des années. Ils deviennent traumatisés par l'attente. Donc c'est un peu la même condition, sauf que ça a pris plus de temps et c'est pas la guerre et la torture au Danemark. Mais c'est plutôt ça que de quoi, comme moi je le comprends, les psychologues travaillent, avec quoi ils travaillent. Non, je crois que c'est un peu les mêmes difficultés, quoi. Il y a ce qui a été vécu dans le pays, dans les cas des demandeurs d'asile, des réfugiés politiques, donc des traumas plus ou moins graves, non ? Et qui ont souvent pas été digérés, non ? Pas été acceptés, ni... En général, on essaie plutôt d'oublier ce qui n'est pas bon. Et il y a le choc ici, non ? Et il y a le problème qui est... Disons que le réfugié politique, il a un peu le même problème que n'importe quel immigré, mais en plus, il a le trauma qu'il a vécu dans son pays, d'accord ? Qui vient comme un trauma qu'aura vécu quelqu'un dans son enfance, on va dire, ok ? On veut essayer d'oublier un peu. Ouais. En général, quand on a quelque chose de fort, on essaie de l'oublier. Donc il faut travailler sur ça, je pense, pour que la personne l'avale, non ? Sur ce trauma vécu dans le pays. Et après, disons, du choc, du fait de vivre longtemps, l'attente et tout ça, problème des papiers, etc. Je crois que ça, c'est un peu commun à tous les immigrés, non ? Toutes les personnes étrangères. Et là, c'est un problème identitaire. Et je pense que ça, c'est très important de le travailler. En tant que problème identitaire et non en tant que, disons, seulement une question de soutenir la personne qui est dans une situation d'attente. Tu veux attaquer le problème en tant qu'un problème d'identité interculturelle. Je pense que l'identité, enfin en tant qu'immigré, c'est jamais facile de toutes les façons parce qu'on est toujours en train de pays, on ne sait pas si on s'installe, si on ne s'installe pas. Je pense que ça, c'est important de faire le lien entre son pays et le pays d'accueil. Non, toujours qu'il y ait le lien, qu'il n'y ait pas une coupure directe. Autant s'il y a eu des traumas forts d'un côté que s'il n'y en a pas eu. Tu vois ce que je veux dire, on ne peut pas faire un mur et passer à autre chose, c'est pas possible. Donc toujours faire le lien entre l'un et l'autre, je pense que c'est très important pour toute personne, non, qui sont étrangères. Après, l'attente qui est particulière aux demandeurs d'asile, ça peut se travailler, c'est clair que ça peut créer des dépressions, etc. Mais c'est pas la seule cause. Des dépressions, tu vois ce que je veux dire. La dépression vient de tellement de choses à la fois qu'il faut essayer de travailler un peu tout à la fois. Ça, c'est un fait, on ne peut pas faire grand-chose, parce que le système de l'asile, il est comme ça. Voilà, mais c'est ça, on ne peut pas changer. On ne peut pas le changer, bon, il faudra le changer, mais au niveau politique, etc., c'est plus compliqué, quoi. Je veux dire, au niveau du demandeur d'asile, comme le manque de travail, par exemple, on ne peut pas le changer. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Donc, ils n'ont rien à faire, par exemple, ceux de la maison d'accueil, c'est ça, il n'y a rien à faire. Toute la journée, c'est... Donc. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Non, là c'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Là, il y a vraiment parce qu'au Danemark, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit. Si aussi, pour la plupart, ils n'ont pas le droit. Voilà, mais en général, quand on n'a pas le droit, il y a toujours moyen. Mais là, il n'y a vraiment pas de travail. C'est du travail au noir alors. Il y a beaucoup de travail au noir. Voilà. Mais là c'est la crise. Après ce qu'ils disent. En tout cas, il n'y a pas de travail. Volteventura, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de moyens. Non, non. Pas grand chose ici. Je croyais que les demandeurs d'asile avaient le droit à travailler. Oui, au bout de 6 mois, ils ont le droit. Au bout de 6 mois. Ouais. Mais ils sont toujours demandeurs d'asile. Ouais. Mais ils ont un papier en disant... Ils ont le papier, comment dire... Une carte, quoi. Une carte, la permission de travailler. Ouais. Les 6 premiers mois, ils ont la carte jaune sans la permission. Ouais. Au bout de 6 mois, ils sont encore dans la demande d'asile, si on n'aura pas retiré la carte jaune, on leur donne l'autorisation de travailler à partir de là. Et de vivre à... Ils ont le droit de vivre dans le centre et à l'extérieur, dans un appartement. Ils ne sont pas obligés de rentrer. Enfin, est-ce qu'ils sont obligés de rentrer ici à 11h Après, oui, les lois du centre, c'est les lois du centre. Après, s'ils habitent au centre, ils doivent suivre les normes. Les normes. Mais s'ils ne vivent pas ici, ils sont libres à faire. Ils n'ont aucune obligation de vivre ici. Le centre, c'est le gouvernement qui paye certaines places pour les demandeurs d'asile. Ouais, d'accord. Mais même s'il n'y a plus de place pour les demandeurs d'asile, il n'y a plus de place. Et le mec, il va rester à la rue, il va chercher sa vie. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas d'obligation. Il y en a plein qui vivent entre amis dans un appartement. Ah, oui. Ou ils se trouvent une autre façon. Oui. C'est pas obligé.
Est-ce qu'ils ont le droit à s'éduquer, à entrer dans une école pour faire une formation, je ne sais pas, d'électricien, de quoi que ce soit? À partir, quand ils ont le droit de travailler, oui. Ah oui, d'accord. Donc, après les six premiers mois, ils peuvent vivre comme une personne, oui. N'importe qui. Ouais. Tout en sachant que c'est la carte jaune. Et que tu peux vivre le temps qu'on te laisse. Ouais, ouais. Au bout d'un moment, ou bien ils sont virés, ou bien enfin jetés dehors, enfin rapatriés, ou bien ils sont. En général, ils vont pas être rapatriés si on refuse la demande d'asile. Disons que donc on a les premiers 6 mois, après on a l'autorisation de travailler. Là, plus ou moins, on a les adultes, ils ont droit aux formations, ils ont droit à travailler comme tout le monde, d'accord. Les enfants, de toute façon, dès le début, ils ont droit à la scolarisation. Tout enfant qui vient ici mineur a droit à la scolarisation, même s'il est légal. Donc, d'autant plus pour les demandeurs d'asile. Même s'ils travaillent, etc., ils ont toujours la peur d'être jetés dehors. Il y a toujours cette peur. Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours cette peur. Et comment même ils si, vivent, normalement, une fois qu'on a passé le barrage du centre d'internement, il y a moins de chances d'être expulsé. Il y a vraiment moins de chances d'être expulsé. Ah oui, d'accord. Disons, oui, parce que là, c'est il trie. Il trie au centre d'internement. Ouais. Voilà. Et après, ceux qui passent ce filet-là, en général, ils vont plus ou moins rester en Espagne. Et comment sont respectés les droits de chacun dans le centre? Parce que s'ils sont capables de choisir si rapidement entre les gens qui ont le droit de rester pour demander l'asile, et les autres qui sont qui ont pas de qui sont illégales, ouais, qui sont jetés dehors tout de suite. Okay, comment est-ce qu'ils font? Dans le centre d'internement, tu dis, non? Ouais, ouais, dans le centre ici, dans le centre d'internement, non, ouais. C'est en fait bon, le cas de l'asile, c'est particulier. Normalement, toute personne qui serait censée être un réfugié politique, qui a une, ouais, qui a une situation de réfugié politique, devrait recevoir sa demande d'asile, devrait avoir un avocat, etc., non? Qui est assez critiqué par pas mal d'associations dans l'Amnesty International. Apparemment, tous les demandeurs, réels demandeurs d'asile, tous ceux qui ont souffert quelque chose dans leur pays, leur demande n'est pas toujours acceptée. Non. D'accord. Et qui sont expulsés. Normalement, ça c'est très grave. Au niveau pour international, torturé, ça devrait être interdit. Ben, ils peuvent leur arriver ce qu'ils veulent, parce que ouais, quelque chose dans leur pays. Prison, normalement, ça, ils devraient avoir la protection internationale. Parce que ce que je comprends pas, c'est que comment ils peuvent faire la tri aussi rapidement dans le CIE. Parce qu'au Danemark, si tu es là dans la rue et tu dis je demande l'asile, l'État danois est obligé de traiter ton cas. On ne peut pas l'expulser, cette personne, voilà, tout de suite, sans avoir un procès. Et 40 jours, c'est 40 jours qu'il reste. Donc là, pour l'instant, c'est 40 jours. À mon avis, ça va changer dans pas longtemps. Ils sont rapides à gérer la... D'où les petits problèmes de gestion. Ouais, d'où on envoie le maximum, 40 jours. Donc en gros, est renvoyé ceux avec qui il y a un accord dans le pays d'origine. D'accord. Donc Mauritanie, la plupart des pays ont un accord. Maroc, Mauritanie, Sénégal, ouais. Guinée-Bissau, la plupart ont des accords. Tous ceux qui ont des accords, et on est sûr de identité. De leur identité, on les renvoie dans leur pays. D'accord. Problème. D'une part, l'identité, beaucoup de gens ne disent pas leur identité, à beaucoup on assigne une identité qui n'est pas la leur, donc on les renvoie au Sénégal alors qu'ils sont mauritaniens ou vice versa. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, il y a souvent un petit problème. Après donc ceux qui n'ont pas un accord dans le pays d'origine, d'accord, ou qu'ils n'ont pas pu trouver un avion, remplir, enfin un avion suffisamment de place pour renvoyer tout le monde au Sénégal, il t'en reste 5, bah, tu vas les laisser ici. Ah oui. Tu les sors à la rue et en général ils viennent ici à la rue. Voilà. Donc ils essayent de gestionner quand ils peuvent les 40 jours. Totalement à hasard. Ouais, il y en a qui s'échappent au hasard. Ouais. Ah, enfin, oui, au hasard. Ils ont eu la chance. Quoi. Ouais. Alors qu'ils sont originaires d'un pays, ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils sont originaires d'un pays qui. Donc il y a un peu ça. Quoi. Donc il y a le temps qui joue. Et le hasard. Qui joue en faveur de certains, mais en défaveur de beaucoup d'autres. Parce qu'on renvoie beaucoup ouais, sans vraiment oui, ça. Mais si par exemple tu viens du Sahara, de l'Occidental, et que tu réussis à aller à Fuerteventura, en Petra par exemple, ça fait partie du Maroc. Ouais. Et l'Espagne a un accord avec le Maroc. Alors ces gens-là vont être expulsés. Ouais, à Nador, au nord du Maroc. Au nord du Maroc, même s'ils sont
persécutés par leurs activités politiques. Bah, si la demande d'asile n'est pas bien prise, ou s'il n'est pas reconnu, il n'y a pas suffisamment de preuves ou quoi que ce soit. Qu'il fasse partie de la, comment dire, la, l'organisation de Sahara, je ne me rappelle plus le nom. Le Polisario. Polisario, c'est ça. Non, si la demande d'asile n'est pas prise, pour une raison ou pour une autre, on les renvoie. Avec le risque de prison et de tout ça. Et le problème de la prise de demande d'asile, c'est vraiment beaucoup un niveau de compréhension aussi, parce qu'il y a d'une part les langues, donc c'est évident. Je veux dire, si une personne ne parle pas les langues dans lesquelles tu leur expliques qu'ils peuvent demander l'asile, ils ne vont pas le demander. Bon, la différence entre l'Espagne à ce niveau-là et le Danemark, c'est qu'il y a une tri très dure au départ, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont expulsés dans des pays où ils risquent la prison, etc. Alors que les gens qui arrivent à avoir le droit de demander l'asile, ils sont mieux traités en Espagne, parce qu'au Danemark, on n'a pas le droit de travailler, ni de s'éduquer, ni de vivre en extérieur des centres. Tant qu'on est demandeur d'asile. Voilà, et ça peut durer des années et des années. C'est particulier. Ouais. Et donc, tant qu'ils n'ont pas le statut de réfugié politique, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de centre. Non. Même ceux qui ont le statut... Enfin, réfugiés politiques, si, qui ont Résidence, oui. Jusqu'à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de travailler, ni de vivre, ni de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. C'est un entre-deux trop long, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est pas facile. Non.